You know this is Denmark Summit. Merci, vous pouvez suivre nous, Lola MBC TV. Aujourd'hui, l'émission Zen Actif, nous avons un grand plaisir à faire vous découvrir la vie de Carole Stéville. Carole Stéville, ça va? Oui, Mela, ça va bien. Et justement, Carole, c'est qui? Bon, je m'appelle Anne-Carole Stéville. Je suis une jeune de 27 ans, bientôt 28. Et je suis un habitant de Bigarade. Et mon travail, actuellement, je travaille comme STM intern à la Commission des arts et de la culture. Donc, je fais un mot primaire à Fort Ronald Gandhi. Je suis à l'école Rhodes College et au collège, moi, je peux faire accounting. Et puis, je suis à l'université de Maurice. Je étudie History, Heritage and Cultural Tourism. Et là, maintenant, je travaille dans le domaine. Et aussi, moi, une jeune qui m'a bien participé, m'a bien dans un groupe social. Je suis dans un groupe jeune de l'église à la ferme. Maurice me fait beaucoup de parcours spirituel. Je suis dans le groupe 40, je suis dans le groupe Alpha, groupe Fiat. Et après, quand je retourne Rodrigue, je continue à les partager, comment dire, mon lavé spirituel avec les autres. Et puis aussi dans mon groupe Villaz, mon responsable au groupe Zen, Bigarade. Et je danse aussi. Mon passion, c'est la danse. Et aussi, je fais un petit guide badminton. Alors là, dans vos présentations, Carole, vous faites-nous comprendre qui est Wendy Moon, ou content l'histoire, et vous étudiez dans ce sens-là. Ou raconte-nous un petit guide de sa parcours là. Donc, au collège, je suis bien content en mathématiques, accounting. D'ailleurs, je fais depuis Form 4 à Upper 6, c'est là-dedans même que je étudie. Mais après, comme on finit mon HSI, mon envie de faire une autre affaire de nouveau. Et comme on a trouvé le site université, on a trouvé qui est dans sa cour là. Donc sa cour là, il interpelle moi parce que j'ai envie de sortir un petit guide dans sa bande côté chiffre, etc. Et moi j'en ai beaucoup appréhension. Moi je me dis, mais comment moi pour faire le fait qu'il me fait sens complètement de filière. Et comme on est arrivé, on commence mon premier mois, mon première semaine, je suis bien content parce que ça me permet de moi pas juste découvrir Rodrigue, mais de découvrir Maurice en même temps. Quand mon camarade Maurice, que tu peux dire moi tu peux dire les autres, mais t'es place comme ça, t'es place là. Et d'année en année, je trouve que ça s'est là bien passionnant et mon envie plus étudier pour comment dire. Nous, comment dire, aider pour protéger le patrimoine qui est dans Rodrigue. Et il prend comme un fini mot cours en 2019. Il prend au moins 3 ans, qui est l'année dernière, qui mène, comment dire, dans le domaine de l'histoire, patrimoine, à la commission. Ça me prend presque 4 ans pour me cave, comment dire, être dans le domaine et me bien satisfait, même si je peux faire un internship. Mais je connais qui peut-être plus tard, je suis capable, comment dire, combattre pour le patrimoine qui est dans Rodrigue. Il y a assez rare qui nous trouve un jeune intéressé avec l'histoire. Alors, dis-nous un petit peu, qui finit intéressé dans sa cour là et aujourd'hui, comment ça peut aider dans le travail? Ça est intéressant pour moi parce que je suis capable de faire découverte
beaucoup de sites historiques de Maurice. Et chaque fois, moi, je peux faire une recherche. Moi, j'ai envie qu'on puisse leurs histoires, Maurice, Rodrigue. Et comme on vient ici, ça peut aider moi beaucoup dans mon travail parce que je peux mettre en pratique ce qui m'en apprend à l'université, ben projet qui m'en fait à l'université. Ça peut aider moi beaucoup dans mon travail, que je peux être capable, que j'ai alors mon ban notes en chien et je peux appliquer ça dans mon travail actuel. Et pour moi, si je veux que je me sois si de moi la sauce, je me sois si je veux que je me même affaire, parce que je suis bien content, découvert, je suis bien content, comme ce qui est passé avant et comment ça, comment nous, Banzen, nous, comment dire, intéressons-nous vraiment avec l'histoire, Rodrigue, pour demain, après demain, nous, Banz enfants, nous, Banz enfants, demain, nous, Banz affaires. Et là, au moins, nous connaissons qui, comment Rodrigue tu étais, mais ça, il arrive là, qui fait ça, il arrive là. C'est ça qui, comment dire, une plus, fait moi intéressé pour rentrer dans sa cisée là. Mm-hmm. Et grâce à ça, c'est là aujourd'hui, ça même ou gagne pain d'une certaine façon. J'espérais que vous allez encore plus de l'avant là-dedans. Avec ça aussi, vous dites à nous dans vos présentations qui sont bien content la vie sociale. Est-ce que quelque part ça les relie, ça à côté ou connaît beaucoup le pays avec Banjen? Est-ce que vous participez ou communiquez avec d'autres un peu ce qui vous savoir ou partager? Dans mon groupe Zen. Un peu qui nous fait, qui comment dire, mon potage, mon côté histoire. Mais seulement, en temps normal, comme mon cousin avec un du monde, pendant, comment dire, ça, si c'est là qui ressort parfois, quand nous avons une conversation qui essaye. Et si moi, j'ai mettons, c'est un zen qui est intéressé avec l'histoire, moi, pour raconter mon parcours, pour faire, les, comment dire, plus intéressé. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vraiment comment dire intéressé avec l'histoire. Peut-être pour eux quand j'ai l'histoire, c'est une affaire qui est ennuyante. Mais moi j'ai la chance de faire histoire, patrimoine et culture touristique, ça veut dire il est vraiment différent. Il pas de ça histoire comment dire ben du monde ennuyant, mais il bien comment dire dans ce petit peuple ça donc qui m'a bien apprécié. Voilà. Et justement, là, nous pouvons causer un peu aussi ben, la jeune, dire nous qui parfois ou causer, parfois conversation les différents. Et donc, ou responsable au groupe jeune à Bigarade. Alors, explique-nous un petit peu ce groupe-là. Groupe-là, nous avons déjà un groupe jeune depuis avant qu'il soit à l'université. Mm-hmm. Après, il y a des autres du monde qui nous prend. Groupe-là, nous avons formé en 2020. Et moi je suis président, mais après mon préfère donne la chance les autres quand comment dire nous faire un président après nous faire comment dire ban du monde qui là qui accompagne les autres comment dire qui est responsable tient un mois avec un garçon qui s'appelle Robin. Et depuis 2020 jusqu'à là nous activité de l'amour beaucoup content qu'il nous accompli beaucoup d'affaires. Nous aider bien social, nous nettoyer village, peinture centre, nous avons fait beaucoup d'activités. Deux fois nous avons fait volontaire grand trait de Rodrigue en skito. Et en 2021, tiens en la marche des jeunes, tiens en une compétition, un carnaval, l'environnement. Écoute, je suis bien content qu'il nous groupe Zenning, il y a beaucoup pris. nous avons plus beaucoup, même nous groupe Zenning, il y a plus beaucoup pris. Et ça, c'était un premier pour nous. Nous, tu peux dire qu'on prend la bée. Nous, tu peux participer, c'est pour le fun. Mais après, quand nous participons, nous avons pris déjà un meilleur groupe Zen, meilleur slogan et aussi meilleur projet. Et. Ça m'a bien content qui comment dire mon tour à Banzen là et Banzen qui depuis 13 ans 14 ans autres de groupe là autres une grand comment dire trop autres grandi trop autres comment dire prend bonne responsabilité et ça c'est qui m'a bien apprécié mon cas dire qui
Mwen fè en zafè byen, mwen avèk Robin, mwen fè en zafè byen pou ban jen voilà. De Biarad. E mwen souwete ki zot konti lò sa lansè la, ki zot pa abodone paski nou pa pou tout dan la. E ki, kouman jè, zot pran l'exemplo, kouman jè sa, kouraz ki mwen nan tout lè dimans pou alè, pou a fè group zen, pou rot ban aktivite pou fè, voilà. Voilà. Et donc, peut-être aussi, ben, les autres jeunes qui, aux alentours, là même, des autres endroits, car intéressés, viennent résoudre avec eux. Quand ils viennent, que ça ils viennent? Ça vient, nous viennent tous les dimanches à Inéa. Et nous faisons réunion, parfois nous faisons un jeu, nous assisons, nous causons un plan qui nous pouvons faire pendant l'année. Et. Tous les dimanches, c'est qui intéresse. Ben, John Bigarad, c'est qui intéresse. Ce cas résonne. Donc, l'appel est lancé. J'espérais qu'il plie beaucoup d'encours pour venir résoudre ton Bigarad dans ce groupe. Oui. Alors, Carole, avec une activité jeune, éco-travail, mais où dis-nous aussi dans vos présentations, qui ou une passionnée de danse. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu où l'amour pour la danse depuis quand l'in commencé. Donc, on commence avec danse traditionnelle. Je fais un groupe sans dîner, citronnis. Je fais un an danse traditionnelle en 2010. Après, en 2011, j'ai un an spécial vacances. Je peux apprendre fiche malaba. Et je trouve un groupe avec Julio, le gentil. Groupe Go Dance Rousse à l'époque-là. Et c'est là qui m'a intéressé, moi j'ai pour rentrer dans danse, moi j'ai pour aller plus loin. Effectivement, mon rentrée, j'ai voulu faire un peu de danse R&B, hip hop, afro. Et mon commence mon parcours avec lui, mon fait un an avec Julio. Et moi j'ai dit merci, moi j'ai nous c'est lui-même qui a été mon premier professeur de danse moderne. Et en 2013-2014, mon arrêté parce que j'étais dans l'étude, je faisais l'étude avant. Et puis moi j'ai dit comme là qui m'avait besoin, moi j'ai envie l'autre, moi j'ai envie l'autre style de danse, comment dire, aller l'autre style de danse et c'est là qui m'ont besoin de là. Mon rentre dans Grace Dance School en 2015. La fin, ça veut dire novembre 2015, et Janola fait la danse contemporaine. Et c'est là qui m'a dit que c'est ça qui m'a envie d'apprendre. Mais malheureusement, en 2016, j'ai allé étudier. Mais quand même, ça a Maurice, je continue dans la danse, l'université, je suis dans la danse, ça, je apprends quelques bases avec un prof à l'université pendant 3 ans. Et comme on retournait, on continuait avec Janola même, la danse contemporaine. Et l'in bien encourage moi pour, comment dire, continuer là-dedans. L'in encourage moi pour aller de l'avant. L'in encourage moi pour affronter la paix dans la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est un petit mot, mais un grand, très grand, très grand. Il y en a beaucoup pour apprendre. Et d'année en année, mon apprend une participe dans un événement comme World X Day, National Day. Et il me connaît beaucoup danseurs de l'île Maurice aussi, qui me bien aide moi, comment dire, pour arriver jusqu'à côté où j'étais. Et mon cas dit que grâce à la danse contemporaine, en moins qu'un homme récit participe dans 3 festivals de danse. En 2022, j'ai un festival d'Héritage qui Janola qui directrice, c'est premier festival de danse contemporaine à Rodrigue. Tu invites beaucoup de chorégraphes de l'Imoris qui t'invite. Et ça c'est mon premier festival. Et 2023, l'année dernière, Monal Biennale de danse aux Seychelles, c'est un festival de danse contemporaine aussi. C'est là qui comment dire mon plus ouvert, mon gars, plus ouverture, mon gars, mon rencontrer beaucoup de monde avec faire la danse contemporaine, mais ça a quand même son style. Et aussi en novembre 2023,
participe dans le festival Sagam à l'île Maurice, organisé par Stéphane Bourgasson. Et Grissing est invité. Et nous sommes dans le band Chip Chiki Charlie, 3-2 nous band Chip Chiki Nale, Janela avec Jean, nous avons présenté une pièce. Et moi, je danse ensemble avec les autres participants. Et si tu es réuni, qui tu peux faire chorégraphe, Kenji. Et c'était une fierté pour moi parce que parmi ça, j'ai dansé Maurice, un bon danseur, c'est moi, qui sont Rodrigue. Et moi, je suis bien content que moi, j'ai qui dans sa quotidienne, je peux représenter Rodrigue. Et voilà ce qu'il a dans ce contemporain, importe moi. Et Hannah est là aussi. Moi, je connais qui nous a beaucoup prosé avec Grace Dance School concernant la danse. Et je peux accueillir Hannah là, bras ouverts, parce que je connais qui Hannah est là aussi. Moi, pour, comment dire, moi, pour évoluer dans la danse. Et aussi, à travers la danse, je découvre une autre équipe qui est School of Art. Avant les petits mouvements poésie, ça veut dire que quand je suis rentrée, les chocos mouvements poésie. Et après les Vin School of Art, je suis rentrée comme nous, Grace, tu es rentrée, tu fais partenariat avec School. Après, une promo comme animateur. Là, maintenant, je suis responsable côté danse avec les enfants. Et ça aussi, c'est un autre parcours, une autre famille, parce que c'est dans School of Art, c'est là qu'il me connaît le plus beaucoup de petits enfants. Petits enfants qui ne connaissent pas la danse, parce que du tout. Et ça, c'est un autre challenge. Et je suis bien content. Je suis bien content que je puisse partager mon savoir avec les autres. Et dans School of Art, nous avons presque, ça veut dire, tous les 15 jours, parce qu'il y a un groupe traditionnel et un groupe moderne. Donc, une semaine traditionnelle, une semaine moderne, tous les samedis. Et pour Grace aussi, nous avons tous les samedis. Donc, mon samedi, il passe ici, mon plaisir, avec la danse. Et ça, c'est samedi, c'est mon moment de détente. Quand j'ai la danse, oui, fatiguée, etc. Mais c'est bon, c'est un moment de détendement de samedi avec mes camarades, avec mes enfants, avec mes leaders Grace Dance School. Et Grace aussi fait répétition les samedis. Et pendant les vacances, nous faisons répétition pendant la semaine. Et parfois, nous faisons répétition l'après-midi avec les bandes quand nous gagnons le temps. Et c'est pour ça qu'ils m'ont vraiment reconnaissant parce que grâce à la danse, mon récit, je suis timide avant, mon récit casse ma timidité. Quoique parfois, je suis timide. Mais mon récit casse sa timidité là, mon récit. Donc, on va devant n'importe qui la scène. Et pour dire qui School of Art aussi fait moi faire théâtre. L'année dernière, nous faisons une petite pièce de théâtre, pas une cause, mais c'est moi, nous faisons une petite pièce de théâtre qui s'appelle Akele. Et c'est eux qui ont initié moi théâtre parce que l'année dernière, c'est un drama festival. Et nous faisons ça veut dire 3 jours, nous avons fait Baladirou, côté. C'est un band du monde qui là avec band jeunes fait théâtre pour comment dire dans une banque ou comment bien faire pour le théâtre. Et grâce à ça, comment dire, mon cave connaît le théâtre, comment y était mon cave connaît comment si faire mon fait un petit bout de théâtre là pour réussir. Parce qu'il y a préparé la danse, nous avons un standing, nous avons une discipline, nous avons connu comment nous comportons la scène. Et voilà. Et aussi, grâce à ça, il y a un petit clip, un petit court-métrage qui est stéréo même. Qui comment dire stéréo qui tout le temps, comment dire. Maturité, elle est partout. Mais moi, stéréo Clédio, qui comment dire, zut, mot et zut. Moi, j'ai un petit court-métrage. Parfois pour sensibiliser. Parfois pour sensibiliser, ça veut dire avec Clédio, des affaires, l'eau aux cigarettes, avec Stélio, l'eau l'alcool. Et avec aussi, Anne Jimoun aussi, guide-moi à Luciano, qui lui aussi lui fait vidéo, tu fais une vidéo, l'eau ban patrimoine de Rodrigue, guide-moi pour expliquer un peu, pour faire ça. Et ça, moi pour dire que c'est grâce à la danse parce que la danse nous permet de développer
beaucoup d'affaires dans mon personnalité. Mm-hmm. Quand je comment dire, touche un petit guide de ça, un petit guide de ça. Et je suis bien content qui, comment dire, aujourd'hui, je suis capable de dire, mais un artiste. Voilà, ouais. Capable de dire. Oui. Et justement, quand on dit à nous, parfois, on participe dans un court-métrage, dans une vidéo de sensibilisation, mais pas juste trop sévère aussi, ou dans distraction aussi. Oui, dans distraction et aussi, il y a un clip qui... ban artiste fait ban artiste chanteur stop petit guide gré sans autre guide moi et mon participe dans plusieurs clips que ce soit depuis mon bien jeune jusqu'à maintenant et tout dernièrement nous fait clip avec Danuel et aussi Stelio Nigel enfin Stelio encore donc et ça c'est ban ça nous fait ça à cause pour nous aider parce qu'il nous compte hein. Et moi connais qui comment dire n'importe qui l'est moi qui compte pour sa main du monde pour comment dire rendre un service pour rendre que ce soit moi que ce soit Grace Dance School et ça un plaisir aussi pour nous faire ça et grâce à ça aussi comment dire nous avons découvert le monde cinéma côté comment était qu'on fait un film, comment était qu'on fait un clip, à faire dubbing dans le studio, c'était bien spécifique nous, qu'on fait dubbing. Tout ça, là, on apprend un bon mot. Et là, moi, je connais qui comment était un film, mais a tout ce travail là, derrière ça. Et la danse, là, même, a découvert ça en mode artistique, là, quand je ne résiste pas à la danse, je suis, comment dire, un peu partout. Et ça aide moi comment dire, pour développer plus. Voilà, oui. Ça lui fait une évolution dans la vie au général. Oui, oui. Et quand on cause nous la danse comme ça, trouver dans les yeux même, comment l'amour il fait briller, c'est quelque chose qui est content. Oui. Et bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission, là, où vous pouvez danser, pour faire un téléspectateur trouver comment on peut danser, comment vous sentir à l'aise et oui. Content, ça, oui. ça domaine-là. Mais avant qu'il nous termine l'émission, Carole, pour arriver là, que tu étais aujourd'hui, il y en a aussi ben du monde à part, ben camarade, qui fin contribuer pour jusqu'à que tu étais aujourd'hui. Tout oui. Un soutien de la famille. Oui. Moi, je tiens à remercier ma famille. Depuis que je suis grandi avec ma grand-mère. Et c'est ça du monde là qui me fait moi comment je suis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui me grandissent moi, qui me demandent tout. C'est qui me faisait tout l'amour, tout. C'est si me faisait, comment dire, merci à un seul des gens qui me contribuent. C'est mon grand-mère. Et ça, des gens qui représentent beaucoup pour moi. Et aussi, me remercier mon papa, mon maman. Et eux aussi ont bien contribué malgré qu'ils m'ont pas grandi avec eux mais je connais qu'ils ont été là mon grand-père aussi qui malheureusement est décédé et aussi toute ma famille ma bonne famille mon bon tonton spécialement Alex Féville qui signe bien aide moi côté mon étude jusqu'à maintenant qui donne encore de mon bon conseil et mon bonne cousine, mon bonne mon frère, mon maintenant des frères avec un cancer et mon bonne tonton, ma tante, tout ce qui comment dire, il fait moi, comment dire, il aide moi, il donne mon bon petit conseil et aussi mon remercier mon bonne camarade, mon remercier tout du monde qui est là pour moi, mon bonne professeur, enfin tout qui me fait moi vine ce qui m'a été aujourd'hui et me remercier Janola aussi qui me bien aide moi comment dire pour vine du monde qui comment dire car debout devant pour dire ce qui nous dire ce qui m'a ressenti tout man leaders Grace Dance School me remercier tout ban animateur School of Art qui comment dire aussi tous autres comment dire nous tomber les vies ensemble comment dire pour réussir faire School of Art ce qui était aujourd'hui
Bon, merci tout le monde qui connaît dans mon parcours spirituel, etc. Il y a beaucoup pour remercier. Bon, remercier tout le monde qui connaît in là dans mon vie. Tout ce qui m'a dans aujourd'hui, c'est aussi grâce à bon Dieu. Et je n'ai pas fini de prier. Prier, demander bon Dieu. Donne-nous la grâce. Et aussi, tout ce qui m'a dans aujourd'hui, mon cadet, c'est qui m'a prié quelques années de cela. Et voilà, mon papa, moi vraiment très reconnaissant. En tout cas, Carole, nous sentons-nous transportés dans toute sa humilité qu'ils ont dit, nous qu'a dit, vous pouvez disposer là, devant nous, comme vous pouvez venir se tout. Quand on a tout ça là. Mais avec tout ce qui vous fait dire là, peut-être il y a beaucoup de jeunes aussi qui peuvent inspirer de vos parcours, de vos vécus. Et qui message vous avez pour ce jour Moi, je dis à des jeunes qui ne sont pas découragés avec n'importe quelle difficulté qu'ils ont gagné dans la vie. Et aussi, qui l'éducation est bien importante. Même nous, pas à loin, mais au moins, nous connaissons un strict minimum. Un strict minimum pour demain, après demain, quand nous appelons pour un travail. Nous n'avons pas besoin de faire l'autre du monde venir faire ça pour nous. Quand nous avons fait nos affaires, nous-mêmes. Et tout le monde courage, tout le monde qui m'a côtoyé, qui m'a bonne cousine, apprend. Parce que dans 10 ans, c'est là qu'ils ont pas trouvé, comment dire, mais qui difficulté qu'ils ont gagné. Comment je suis pas connu, je suis pas connu faire des affaires. Que ce soit un métier, que ce soit n'importe qui affaires, nous bien commence depuis jeune, mais pas qu'avant-tant quand j'étais pas capable là commencer. Et aussi, mon partir, je fais banzen qui me côtoie. Partir, je fais comment moi, mais c'est mal important qui nous redonne la vie sociale, qui nous redonne groupe. Nous distraire nous, parce que c'est pas la danse qui nous fait moi. Pas passé, c'est pas mon ban beaucoup, que ce soit comme tu peux répétition l'église, que ce soit comme un ban minton, faire un petit sport. C'est pas ça qui, comment dire, pompissement apprendre, pompissement passé. Au contraire, ça aide moi beaucoup pour, comment dire, mon récit passé, mon récit apprendre, mon récit arrive, comme je dis. Donc, mon petit ban jeune, pas découragé, bien persévérer tout le temps. Parce que si elle n'a fait pas bon aujourd'hui, nous devons réessayer jusqu'à ce bon. Si n'est pas bon comme ça, nous essayons d'autre façon, Et nous ne devons pas honte pour demander l'aide. Bon Dieu qui prie, grand bon Dieu qui est sage. Et là, c'est ça aussi qui, comment dire, pour aider beaucoup de jeunes, comment dire, avancer. Pour moi, l'éducation est bien important. Nous, dans la vie sociale aussi, nous côtoyons les autres du monde. Ça aussi, c'est vraiment très important. Voilà un message d'encouragement pour la jeunesse aujourd'hui. J'espère qu'il y a un maximum du monde pour mettre en pratique et que tout ça va une parole de bonheur pour transporter nos générations. Et Carole, nous disons un grand merci pour tout. Ou les temps, parce qu'il nous trouvait que l'homme là finit tard ou sorti travail quand même on accorde nous ou les temps pour faire cette interview là. Bonne continuation dans au parcours. Merci ou même Mila. Et l'émission en actif l'IPL tira sa fin, mais comment nous te dire, dans l'émission aujourd'hui nous pas pour terminer sans qu'il nous trouve Carole peut danser. Alors nous pour les autres l'on danse contemporaine. Oui. Vous pouvez présenter nous ça, Carole? Oui, je vous présente. C'est une danse de Zoulou. Mm-hmm. Oui. Alors, c'est ici que l'émission est finie. Et nous souhaitons tout une très bonne suite de programme, la chaîne de la MBC TV. Ensemble, tes affaires, tu peux traverser. Comme moi, tu partages nous l'âme. Souvent, nous, tu peux inspirer. Partage l'esprit grandé à l'âme qui tu peux dérouler. Comme moi, tu connais nous, qu'à moi, tes puissants bananes. Sous-titrage Société Radio-Canada.
tu en as beaucoup question. Pas souvent tu trouves solution de l'esprit trop plané. Parfois nous t'y analyser, nous finis par rier. Nous n'a pas t'y ban grand l'esprit, nous t'y vivons dans simplicité. Souvent devant la mon pensée, un petit face pas versé, un affaire pas capable d'acheter, c'est l'amour avec l'amitié. Maintenant, beaucoup matériel, maintenant, solidité, souvent de voir tu peux causer les noms. Bob Marley, nous t'y a beaucoup respect, je t'y suis après bon Dieu. Les temps te drapent de la guitare, me drapent mon plume, mon papier. Mon chassisé, en motivant, en bas un pied bas dernier. Tu peux voir ce livre, parfois un petit flash traversé, qu'aucun tout me pensait. Ramène-moi les guerres, que mon l'âme loin, loin dans les passés. Loin, loin dans les passés. Ça qu'elle t'y vient faire ceci, mais...